Bonjour à tous, pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter un labyrinthe qu'on va construire ensemble. Donc, le labyrinthe va être composé de circuits de redstone. Il faut déjà que je prenne des boutons. Voilà. Donc, il va être composé de circuits de redstone. Donc, on va faire comme un labyrinthe normal. Sauf qu'on va, à des endroits, on va rajouter des boutons qu'on va appuyer. Ça va libérer des accès, ça va enfermer. Enfin, on va voir ce qu'on va faire. Alors, la vidéo va être longue. Oui, elle va être longue. Donc là, elle est centrée un petit peu sur la droite parce que sinon ce serait une entrée 3. Ah oui, faire une entrée 3, c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite. Bah, on va commencer tout de suite quoi. Donc on va faire une entrée 1, ça sera plus facile. Voilà. Donc moi j'ai fait un grand carré déjà. J'ai déjà tout préparé pour que ce soit pas long. Donc on va déjà commencer. Avec. Hop. Enfin, on va pas mettre ça. Hein, voilà. Donc, on va déjà commencer avec un petit bouton start. Alors, un petit bouton qui va nous ouvrir avec une. Allez, on commence avec une petite porte. Hop. Tout. Oh, non, c'est pas ça que je veux. Hop. Et non, c'est ici. Hop. Oups. Hop. Voilà. Donc non, c'est bon. Ok. Donc là, on fait passer ça là. Hop, hop. Faire descendre ça là. Et le bouton, il est où? Il est là, ok. Voilà, sauf que j'ai pas relié le bas. Non, non, ça marche. Mais sauf que il va falloir faire l'inverseur. Du coup, je vais pas le faire passer par là. Je vais le faire descendre, ça ira plus vite. Voilà. Donc l'inverseur, pour ceux qui savent pas encore, c'est tout simplement ça. Non, ça et ça, voilà, donc ça va fermer en fait tout de suite. Donc, hop, voilà. Pourquoi on voit pas? Donc là, donc normalement, c'est fermé. On va rejoindre celui du bas. Hop, hop. Faire ça, on va pouvoir remonter ici. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je crois que je vais laisser encore en bas pour que je puisse bien passer mon bouton. Et là, je vais faire monter là. Voilà, donc là normalement c'est fermé. C'est le plus simple. Hein. Donc oui, je prends beaucoup d'espace pour faire ça. C'est pas trop grave. Donc bien sûr, si je relis pas le bouton, ça va pas aller. Donc le bouton il est bien là. Hein. Ouais, c'est bon. Hop. Et le bouton, on relie tout simplement ici. Et normalement, ok, c'est bon. Voilà. Donc, ensuite, donc on va arriver là. Donc là, on a directement. Voilà. Donc on va arriver ici. On va faire un chemin qui va passer ici. Hop. Voilà. Faire la même chose de l'autre côté. On va faire un chemin qui va ici. Ensuite. Qui va ici, donc on reste à faire ça, hop. Donc soit on aura un chemin sur la gauche, un chemin sur la droite et un chemin tout droit. Voilà. Voilà, donc il va arriver, donc ça se fait un petit peu bizarre, voilà, on va laisser comme ça. Donc il va arriver, il va faire hop. Là, ici, ok, c'est déjà pas ça. Donc il sera sur la gauche, ça va pas être bon. Sauf que on va cacher un petit bouton ici. Voilà. Un petit bouton qui va ouvrir ici. Voilà. On va commencer par du simple, hein. Qui va ouvrir ici, oui, je pense. Ou plutôt ici. Donc ça va faire genre que ici c'est un mur, mais non, ça sera un bouton. Donc on va refaire la même chose, sauf que là je vais faire passer en dessous et je vais relier là-bas. Hop. Hop. Mais c'est pour mettre les pistons. Je sais pas si je fais passer là sur les. Bon allez, on va pas s'embêter. Allez, hop. Donc normalement.
J'ai pas envie de faire l'inverseur. Non, je vais pas faire passer ça ici. Hop, je vais pas faire passer ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire descendre. Hop, je vais le faire descendre ici. Hop, on va mettre notre... Voilà. Bien sûr, ce n'est pas de bloc. Ça peut aller. Ensuite, on met un bloc là. Voilà. Hop, on va faire passer tout en dessous. On va rejoindre. Non. Okay. On va pas s'embêter. Hein. On va passer là. J'aime pas trop quand. Ouais, non, c'est bon. J'ai qu'à relier ici. Voilà. Nickel. Donc, bien sûr, on va cacher. Hein. Donc, ça arrive ici. Hop, ça va faire ça. Ok, c'est bon pour ça. Ici, on va reboucher. Ce sera mieux. Voilà. C'est encore bouché. Ok, donc on a déjà deux petits systèmes. Donc, on va réussir. Ah, oui. Voilà, ce serait bien qu'on relie le bouton. Si on relie pas le bouton, ça va pas aller. Hop, donc normalement. Voilà. Sauf qu'on met un petit délai. Ou alors, tout simplement. Hop. On va se faire une petite machine, allez. Une machine dans ce petit coin là. Hop. Hop. Donc vous la connaissez, hein. Hop, c'est la même chose que pour le je me rappelle plus du nom. Pas pour le puissance 4, pour le ah bah, le morpion, voilà, le morpion. Trou de mémoire. Donc là je pense qu'on va relier de ce côté là, ce sera mieux. Hop. Ok. Et là du coup, hop, on fait ça. Hop. Et hop, et ensuite on redescend, et normalement, là ça va refermer. Voilà, donc ensuite on va faire un système de reset, donc il va relier tout ça. Donc ce que je vais faire à chaque fois, pour que ça soit beaucoup plus simple, c'est que je vais faire monter pour relier à tous mes systèmes de reset ici. Donc je vais faire monter par exemple ici à chaque fois. Voilà, pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc là il n'y a pas besoin, donc voilà, ce sera plus sera plus simple. On sait faire des longs trucs pour le reset, mais bon, c'est pas trop grave. Donc normalement on va arriver ici. Non, on va pas arriver ici. On va arriver ici. Hop, voilà. Non, on va pas arriver ici. Oh oh. Oh oh. Ah non. Non, il y a rien du tout en fait. Ah, s'il y a quelque chose. qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai détruit mon piston. C'est malin. C'est malin. Ok, sauf qu'on va juste boucher ça. Parce que s'il arrive, il vaut ça. Hop, ça sert strictement à rien. On bouche. Et ici, non, il y a un petit trou qu'on va tout de suite boucher. Hop, voilà. Donc il va arriver là. Donc là, normalement, c'est fermé. Non, c'est pas fermé. Pourquoi est-il cela? Ah bah oui, il n'y a pas besoin. Moi bon, je l'essaye, qu'il n'y a strictement pas besoin. Par contre on va se mettre... Voilà. Mais en fait quand on met ça, il n'y a pas besoin d'inverseur. Je l'avais laissé sans faire exprès. Donc non, là c'est fermé, donc tu vas voir que c'est fermé. Sauf que quand on va activer ça, hop, ça va s'ouvrir. Voilà, c'est de la magie. Et ensuite de ce côté, je ne sais pas ce qu'on va faire. Une impasse, allez. On va faire une impasse avec un faux bouton qui va ne servir à strictement rien du tout. Ou alors on va le faire. Ouais, on va faire un petit passage qui va aller par ici. Hop, voilà. Donc ici sera la même chose. Voilà, je sais pas pourquoi je fais tout ça. Hop, voilà. Ensuite ici on va faire tourner. Hop. On va faire tourner, on va faire tourner. Ah oui, on va faire un petit piège. Oui, on va voir ce qu'on va faire. Ouais. On va faire un petit piège. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bouton. Et en fait, ça va juste réactiver ça. Donc il va entendre un bruit de piston, il va venir voir. Sauf qu'il n'y a rien qu'on aura changé. En fait, c'est juste que ça va ouvrir ça. Ensuite, ça va le refermer.
Du coup, ça sert strictement à rien, mais ça va le piéger. Il va aller voir partout. Enfin, il va pas trouver. Hop, c'est bon, c'est nickel. Donc normalement, il va appuyer sur ça. Il va rien entendre parce que je me suis foiré. Oui, effectivement, je me suis foiré. Hop, voilà. Voilà, il va entendre un petit bruit de piston, sauf que ça vaut rien que ça. Donc je vais pas faire ça. Je vais faire ça, voilà. Ensuite, on va continuer et on va le faire arriver ici. Donc on va lui faire deux passages. Ici normalement c'est un mur. Ensuite ici c'est un mur. Donc ici alors, je sais pas si on fait quelque chose ici. Non, on fait rien. Faire ne rien faire. On va mettre. Allez, hop. On va mettre un bouton qui ne sert strictement à rien. Hop. Là ici on va faire un petit truc là. Sympa. Hop. Donc il va arriver ici. Et on va le faire tourner ici. Voilà. Hop, donc on commence notre labyrinthe. Je regarde, je suis à combien déjà? Moi, je suis déjà à 11 minutes. Bon, ça va. Donc on a fait déjà un bon petit bout du côté droit. Ensuite, je sais pas ce qu'on va faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu tant que je fasse tous les trucs de labyrinthe. Et dès que j'ai une idée de système de redstone à faire, bah je remets. À tout de suite. Donc j'ai continué un petit peu. J'ai trouvé un nouveau système. Donc en fait, on va appuyer sur un bouton. En fait, ça va que rétracter un piston. Il va falloir trouver l'autre bouton pour ensuite rétracter l'autre pour qu'on puisse passer. Donc bien sûr, pour pas qu'on triche, parce que si on rétracte celui-là en premier, il pourra sauter et puis ensuite se balader sur les toits. Pour appeler ça comme ça, sur les toits. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va rétracter celui d'en bas, le premier. Enfin non, en fait, on pourra même pas sauter. Bon. Ouais, non. Si on... Je ne sais pas. Donc normalement... Ah si, ouais, si on pourra voir. Non, bah je vais commencer par... rétracter celui du haut. Non, du bas. Du bas. Donc, on en était ici. Alors, ça va être ici. Hop. Ensuite, c'est à cette hauteur-là. Normalement. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Hop. Donc, on va faire notre petit système ici. On a largement la place. Donc, on va mettre un bouton ici pour lui faire voir que ça en rétracte un. Il va falloir trouver l'autre qu'on va mettre. Je ne sais pas où. On verra. On verra. On verra. Donc, tu fais quoi là? Oh, voilà. Laisse-moi faire mon circuit. Tu fais quoi là? Ok. Bon bah petit bug. Allez. Merci. Ok. Donc là on a notre bouton. Et elle revient. Ok. Je vais la tuer. Non, j'ai pas assez de place dans mon avant. Je la tue pas. Hop, on va continuer. Donc là, non, c'est pas bon. On a à côté notre bouton. C'est pas bon. Hop, on va faire descendre ça. Là, ici, c'est où il y a notre bouton. On va mettre un petit repère. Ok, donc là, normalement, il y aura notre petite machine de piston, comme d'hab. Hop. Hop. Voilà. Hop. Hop. Donc, pourquoi je fais pas que des leviers pour ensuite faire mon système de reset, tout simplement. Donc, en fait, ça va tous les activer. Donc, vous êtes obligé d'activer tous les boutons, je crois, de toute façon. Ou non, 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 vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé. Du coup, j'ai pas besoin de le faire. Bon, c'est pas grave. Ouais, parce que ouais, ça relie là. Du coup, c'est pas. Ouais, donc là, normalement, on sera obligé. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai réglé le petit problème. Ok, donc on va. Tout de suite mettre notre petite redstone ici pour que ça fonctionne. Donc normalement c'est bon. Voilà, je vous fais voir le circuit. Voilà, tout simplement. Donc là hop, voilà, c'est bon. Et bien sûr, donc ça c'est juste pour mon système de reset. On va faire monter ça là. Voilà,
Ensuite, on va relier tout ça au bouton. On va faire passer. On va faire descendre ici. Hop, on va faire passer tout simplement ici. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, donc ça marche pas. Pourquoi? 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 Ah bah oui, ok, non, j'ai compris. Je me demandais pourquoi ça marchait pas. Tout était bon. Non, un cran de décalage. Puis là, je sais pourquoi. Hop, voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Ok, normalement, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Voilà, je me suis trompé d'auteur encore. Ça m'arrive, ça m'arrive. Hop, non, c'est pas du, c'est pas bon, c'est pas bon. Hop, voilà. Donc du coup, on va faire encore monter d'un cran. Bien sûr, j'ai pris ça. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, non, non, c'est bon. Voilà. On met ça comme ça. Ok. Voilà, je laisse ça comme ça. Ensuite, là, on va continuer notre petit chemin. Et du coup, ça, on va le faire. Bah oui. Oui, oui. On va le faire passer dans la terre. Parce que si on fait un autre passage ici. Voilà, faut mieux le faire passer dans la terre. Voilà. Ça sera mieux. Bon, on va quand même. Faire passer. C'est pas grave. Hop, voilà. Donc notre passage, il va passer ici. Voilà. Nickel. Hop. Et entre la redstone, faut bien faire passer quelque part. Hop, nickel. J'ai tout calculé, attention. Donc voilà, donc normalement, on va passer ici. Faut que je fasse attention que je bouge à chaque fois ici. Là. Hop, voilà. Et ensuite, donc normalement, il va arriver, voilà, ce sera comme ça. Va falloir qu'il appuie une fois et qu'il trouve l'autre bouton. Parce que normalement, celui-là sera activé. Donc normalement, ce sera comme ça. Voilà, donc il va appuyer une fois. Ça sera activé, sauf que voilà, il pourra pas passer. Et du coup, il va falloir qu'il trouve l'autre bouton un petit peu plus loin pour rétracter celui-là et pour qu'il puisse passer par celui-ci. Donc, ça sera le seul passage. Le seul passage. Le seul passage, voilà. Donc, ici, on va bloquer. Hop, là, on va se faire un petit truc ici. Hop, voilà, on va continuer. On va se faire un petit truc là. Tranquille. Hop. Là, on va se faire... Tiens, bah le bouton on va le mettre là. Non, on va pas le mettre là parce que on s'est un petit peu bloqué. On va le mettre ici. Ou je ne sais pas. Non, on va pas le mettre ici. Je ne sais pas où le faire passer. Donc, on va le mettre ici. Enfin, un petit peu plus loin. Un petit peu loin. Là c'est un petit peu trop près, ce sera un petit peu trop facile. Hein. Hop, donc on va le mettre par exemple ici. Voilà. Donc je vais faire passer ça là. Donc je fais passer le courant de redstone. Donc ouais, je l'ai fait coller. Du coup normalement c'est bon. Hop. Je me demande si ça. Ah ouais mince. Voilà, on pourra le décaler. Celui-là c'était celui qui sert à rien. Hop, donc non ça. Ok, c'est bon. Ok, pourquoi j'en rajoute un? Hop, pourquoi je casse? Pourquoi je casse? J'aime pas quand il y en a deux comme ça. Hop. Maintenant c'est bon. Donc je vous retrouve quand j'aurai passé, quand je serai arrivé tout là-bas. A tout de suite. Donc re tout le monde, va falloir que je refasse cette petite machine ici en dehors. Je serai obligé. Donc là vous voyez, j'ai déjà fait tout le trajet. Hop, j'ai plus qu'à faire là. J'ai fait le plus près possible où il y avait presque rien de redstone. Parce que là, on a déjà fait la moitié. Ah ouais, on a déjà fait la moitié. Hop, voilà. On va faire passer là. Hop, on va le faire passer derrière pour faire ensuite notre petit système derrière. Hop, pourquoi je creuse aussi loin? Voilà, c'est bon ça. Hop. Donc maintenant. Maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un levier. Pourquoi? Je vais vous faire voir pourquoi on prend le levier. Ça sert strictement à rien. Hop, voilà. Pourquoi on prend un levier? C'est pour hop, voir jusqu'où ça va et puis remettre des hôpitaux à chaque fois. Hop, hop.
ici. On va s'en remettre un ici. Ok, c'est bon. Hop, donc là, on peut enlever. Hop, mettre une petite bouton. Hop, ici, on va tout reboucher du coup. Hop. Voilà, non, ça coupe pas. Ok, donc là, on refait notre petite machine vite fait. Hop, on a l'habitude. Hop. Non, pas ici. Non, pas ici, pas ici. Ici. Ensuite, une ici. Hop. Là, on fait ici. Non. Voilà, ici. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ici. Voilà. Si je commence à me tromper dans ça. Allez. Ok, donc normalement c'est bon. Donc, on va aller tout de suite vérifier. Donc là c'est allumé. C'est allumé, c'est allumé. Hop. Oui, c'est assez rapide, hein, effectivement. Hop, donc normalement c'est bon. Là c'est éteint. Et du coup on n'a plus qu'à relier à notre petit truc en dessous. Qui est ici. Hop, j'espère qu'il n'y a rien qui passe. J'espère qu'il n'y a rien qui passe. Non, normalement c'est bon. Hop, notre petit truc on est passé ici. Voilà. Donc, on va appuyer sur notre premier bouton. Ok, ça a ouvert un. On appuie sur notre deuxième. Non, c'est pas bon. Et pourquoi ça a refermé les deux? Ah. J'ai compris. Non, c'est bon, ça marche. En fait, tout simplement, c'est... Donc, on va faire, c'était fermé. En fait, j'avais rajouté un bloc sans faire exprès. Ouais, donc là, on appuie sur notre premier bouton. Ok, ça en ouvre un. On appuie sur notre deuxième. Et ça ouvre le deuxième. Et non, pas là. Hop. Voilà. Hop, donc notre petit système est fini. On ferme ici. Si je rebouge pas, ça sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Ok. Donc, notre seul moyen de passage, ça sera ici, on a dit. Donc ici je vais continuer un petit peu le labyrinthe, faire un petit truc vite fait là qui va jusqu'à là. Bah, je vais le faire avec vous. Allez hop. Allez, je vais faire ça tiens. Hop. Bon, en fait il va arriver ici. Il va arriver ici à faire hop. Okay. Voilà, tout simplement. Hop. Et on va faire... Alors on va faire ça tiens. On va pas faire ça. Hop, on va le faire aller ici. Donc on rajoute un. On va le faire aller ici. Whoop. On va faire un petit détour par ici. Voilà. Voilà comment je construis mes labyrinthes. Et hop, allez. Encore un petit deuxième. Donc normalement. Normalement. Et là, on va faire un petit troll. Voilà. Donc ça s'agrandit, c'est pas mal. C'est pas mal. Là on va pouvoir faire un petit truc. Non. Je voulais faire un petit trou ici, mais on peut pas. Enfin je peux mais il n'y aura pas besoin d'ouvrir cette truc là. Donc je préfère faire comme ça. Ok, notre bouton est là. Voilà, donc notre seul moyen de passage c'est ici. Donc je refais un petit peu de labyrinthe. Et je vous reprends quand j'ai un nouveau système de reste. Ok, donc désolé pour ça. Vérifier le fichier que Windows. Ok, donc je le ferai pas. Donc je vous reprends quand j'en ai fait un petit peu et qu'un nouveau système me revient. A tout de suite. Donc re tout le monde. Donc j'ai un petit peu continué, voilà, un petit peu. Donc là j'ai eu envie de faire une salle, une petite salle, donc il va faire. Allez, petite salle là. Voilà, on va faire une petite salle comme ça. Alors je vais vous dire après ce qu'il va y avoir dedans. Donc on va devoir activer 4 lumières. Hop, là on va faire ça. Hop, pas ça, hop, voilà. Hop. Donc là on peut faire ça si on veut.
Donc là on va se faire un petit truc qui va activer. Donc genre là. Hop, une petite porte toute simple. Donc ici. Hop, ici. On va essayer de pas se tromper cette fois. Hop. Hop, non, 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 non. Non, 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 non. Je fais que des bêtises. Ok, donc c'est bon. Non, c'est bon. Non, si, c'est bon. Hop. Voilà. Ensuite, on fait ça. Pourquoi ici c'est ouvert? Ah oui, c'était pas juste pour mon repère. Voilà. Hop. Donc ici, on fait descendre, hein, comme d'hab. Ah, bien sûr, faut que je fasse l'inverseur. J'oublie tout le temps de le faire. Ah, problématique. Tout ça est problématique. Hop. Ah, c'est bon, c'est plus problématique. Problématique. Ok, donc c'est bon. Faut que je passe en dessous maintenant. Hop. Passer en dessous ici. Voilà. On va s'en laisser. C'était ici normalement. Oui, c'est ici. Comment je vais faire? Je vais essayer de pas remonter là. Voilà, c'est un petit peu serré là. Hein. Oui, c'est un petit peu serré. Hop. Hop. Comment je pourrais faire? Bon, c'est pas grave, allez. Donc je fais une petite coupure, je vous reprends tout de suite. Donc re tout le monde, c'est bon. Hop. Donc non, il n'y a pas de. Non, c'est bon. Voilà. Ouais, un petit peu serré. Bon, c'est pas trop grave. Hop. Donc là, non, c'est bon. Là, il y a un petit trou. On va le reboucher tout de suite. Hop, c'est bon. Donc moi, je fais pas de tour. Hein. Ça sert à rien. Enfin, pour moi, ça sert vraiment à rien, un tour. Donc là, voilà. On aura notre étal. Alors, je vais mettre déjà des lumières qu'il faudra activer. Donc, je vais remplacer par ça. Tiens. Et bien sûr, faut que je prenne un truc à slime. Donc, hop, slime, slime, slime. C'est ici, je vais remplacer par l'herbe. Hop, voilà. Donc, on va faire nos 4 lumières. Alors, il faut que je fasse de. Je vais vous expliquer pourquoi je fais à fond. Ouais, ce sera décalé. Ouais, c'est un petit peu décalé. C'est un petit peu décalé, bon, c'est pas grave. Hop, ah, bien sûr, faut que je prenne de la pastèque. C'est un petit peu chiant. Hop. Place de ça. Donc pourquoi de la pastèque? Parce que sinon, parce que en fait, le bloc de slime n'accroche pas la pastèque. C'est bon, ça se voit pas de l'autre côté, c'est bon. Donc je fais pareil pour les autres. On se fera un petit peu de déco. Hop. Non, pas là, pas là, pas là. Je vais bien m'embêter là. Sinon c'est pas grave. Hop. On va prendre tout de suite. Non, non, non. Oh là là, j'ai que des bêtises. Ah oui, bien sûr. Notre pastèque, on va la reprendre. Ah oui, c'était nos blocs de slime qu'on n'a pas. Slime. Hop, voilà. Excusez-moi. Donc, hop, on va mettre ici. Hop. Donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je mets des blocs de slime. Non, non, c'est pas ça. Hop, c'est ça. On va falloir activer ces lumières alors. Ok. Donc, en fait, si on met un piston normal, enfin un piston collant avec un bloc de redstone, quand on va le monter, bah, en fait, il pourra pas se désactiver. Ouais, donc je sais plus pourquoi ça fait ça. Du coup, je suis obligé de mettre un piston collant, un bloc de slime et un bloc de redstone. Voilà pourquoi.
Ah ouais, du coup. Ah ouais. Voilà. Normalement, ça doit marcher. Ça fait une mise à jour à chaque fois, je sais pas pourquoi. Hop. Ouais, ça fait une mise à jour à chaque fois. Hop, on va le faire monter. Hop, voilà, on va faire monter là. Donc là, j'ai déjà monté d'un bloc. Hop. Voilà. On va faire pareil pour les autres. Hein. Donc il y en a encore deux. Hop. Voilà, donc on a fait sortir nos trois Treston. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je ne sais pas encore comment on va les activer. Donc, je vais juste mettre, hop, pour la déco. Voilà, la pastèque, on peut le virer. Du coup, je vais reprendre un pistolet collant. Que je ne sais pas à quoi ça me sert. Enfin, assis à faire les. Ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, on va devoir les activer dans l'ordre, à mon avis. Faire un petit truc à code, mais avec des lampes à redstone. Ok, donc on va prendre ça. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on va avoir notre petite salle. Hop, donc je fais une petite coupure, je vous reprends tout de suite. Donc bonjour à tous, je vais recommencer ma vidéo. Non, donc c'est bon. Donc on va faire comme d'hab, voilà. Donc là, ça va pousser ici, hop. Ensuite, on va faire ça, pousser là, on va faire ça. Donc vous inquiétez pas, ça va se désactiver quand il va arriver ici. On va faire ça, ça, ça. Et ensuite ça. Donc normalement. Là. 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 Donc notre signe de redstone sera ici. Voilà. Voilà, donc on va passer de là à ici. Tout simplement. Donc là, il sera activé. Ouais, je vais tout relier. Je vais tout relier tout de suite. Donc on va faire celui-là en premier. Hop. Donc on va faire deuxième, premier. Deuxième, premier, ensuite ça sera quatrième, quatrième, et ensuite troisième qui serait ici. Donc là, c'est un petit peu plus chiant pour le faire passer. Oui, un petit peu plus chiant. Non, j'ai pas envie de traverser le mur. J'ai pas envie de traverser le mur. Comment je peux faire? Non, ça marchera pas là, je crois pas. Non, ça marche pas. Bon, voilà. Allez, on va traverser le mur, c'est pas grave. Donc voilà, on va faire une petite technique. Hop, j'ai pas de nom pour cette technique là, c'est pas grave. Non, j'ai pas besoin de faire monter de deux, normalement. Et hop. Ouais, il y a toujours un petit pont à chaque fois dans mes systèmes, tu vois. On va refermer quand même. Normalement, ça fait 2. On va mettre un panneau en carte. Oups. Donc juste pour que je me rappelle,
Donc c'est 2, 1, 2, 1, 4, 3. Hop, 2, 1, 4, 3. Voilà. Ça m'est tranquille. J'aimerais bien aller prendre. Voilà. Donc, non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai rien dit. Ok, donc là, ça va nous activer. Ah ouais, mais du coup, ça va nous activer les 4 ou 1. Ouais, moi, ça va nous activer les 3. Ça va nous activer les 3. Pour le style. Hop. Donc on va tester notre code s'il marche. Donc 2, 1, 4 et 3. Donc normalement. Voilà, là il manque. Voilà, donc 2, 1, 4, 3, ça marche. Ensuite, il faut faire ça. Et là, bien sûr. Donc désolé pour cette intervention. Donc normalement c'est bon. Bah, désolé pour le bruit. Pourquoi? Ok, j'ai compris. Hop, voilà, c'est mis comme ça. Ok, donc non, si on en désactive 1. Si on en désactive 1. Bah non. Oui, parce que j'ai pas fait tout le coupure. Donc non. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc 3, 4, 1, 2. Donc 3, 4, 1 et 2. Non, ah! Ah oui, j'ai pas fait de piston collant. C'était lequel? 3. Voilà, ce sera mieux. Donc on va retester si ça marche. Ça prend un petit peu de temps. 2, 1, 4 et 3. Ok. Et ensuite. Du coup 3 4 1 et 2. Bon, c'est pas trop grave, hein. C'est pas trop grave. Je réglerai ça. Je fais une petite coupure et je règle ce petit problème. En fait, je veux juste que ça revienne. Donc je fais une petite coupure le temps de régler ce petit problème. A tout de suite. Donc re tout le monde, c'est bon, j'ai réglé le problème. Donc il faudra juste faire deux fois chaque point, tout simplement. Hop. Ah bien sûr. Ah, j'ai plus mon bloc de restant bien sûr. Voilà, je faut. Voilà. Donc quand c'est là, donc au moment c'était 3, donc 3, 4, 1, et. Non, je me suis complètement trompé. Enfin, ça a marché, mais bon. Voilà. Voilà pour ça. Tout simplement. Voilà, donc j'ai fini. Et bien sûr, il faut que ça active quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va activer? J'ai bien envie que ça active des feux d'artifice derrière. Donc, je fais une petite coupure de le temps de remettre tout ça bien. A tout de suite. Donc, re tout le monde, c'est bon. Alors, je prends les bons trucs. Donc, distributeur. Pardon. Distributeur. Ça, on en a plus besoin. On fait 1. Bon, ça, c'est pas distributeur. 1, 2, 3 et 4. On va faire ça. Voilà, par contre là ça fait Oups, voilà. Oups. Non, pas comme ça. On est obligé de faire comme ça. Hop, et là on se met. Ok. Donc je vais remplir tout ça de feu d'artifice. Ça on n'a pas besoin. Voilà, donc je remplis tout ça de feu d'artifice. A tout de suite. Re tout le monde, c'est bon. J'ai tout rempli de feu d'artifice. Voilà. Voilà, donc j'ai fait le stock. Hop, donc 3, 4, 1, 2. Je m'en retiens. Je retiens pas. 3, 4. Non, pas du tout. Non, c'est 2, 1, 4 et 3. Voilà. Donc ça, c'est juste qu'il part. J'ai fait ce qui explose pas. C'est pas trop grave. Donc à l'inverse, c'est donc 3. 4 1 et 2. Donc ça n'a pas du tout marché.
Ah non, bah non, c'est bon. 3, 4, bah non, c'est 1 et 2. Donc voilà. En fait, il fallait juste remplacer par des pistons coulants. Non, c'est bon, pour refaire le code. C'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. Donc quand on enlèvera juste un levier, c'est ça qui ça redonnera juste un coup. C'est pas trop grave, ça. Donc il faut faire un passage. Donc on va faire une petite porte quelque part. Je sais pas où la faire. On va se faire une petite pancarte sortie. Allez, hop. Sortie. Voilà. Hop, on la remet. Hop, on prend ce bloc-là. Hop, une petite porte simple. Voilà. Ça rend à la bonne hauteur. Hop, détruis-toi, merci. Hop. Comme d'hab. Faut faire passer ça là. Malheureusement. C'est une technique spéciale. Voilà. Donc là. Là voilà, nos deux trucs. Donc là je prends trop d'espace, le truc c'est ça. Je prends trop d'espace. Voilà. Ça là c'est bon. Hop, on va faire rejoindre. Et là, là, ici aussi on va faire rejoindre. Et là pour pas que ça rejoigne. Voilà. Ok, donc normalement c'est bon. Donc on va tester. J'ai pas envie de tout refaire. Hop. Normalement ça doit ouvrir. Ah oui. Bien sûr. Ok. Donc normalement là ça doit être ouvert. Donc non, c'est bon en fait. Voilà, donc là c'est ouvert. Et ensuite, ça ne me referme pas. Donc ça allume normalement. Oh, je suis un petit peu perdu là. Maintenant, ça allume. Ok. Non, mais en fait, c'était bon. Ok. Non, en fait, il fallait juste faire ça en fait. Voilà. Et là. Voilà. Normalement. Non, non, il n'y a même pas besoin. Ouais. Ouais, et du coup, faut l'inverseur. Et du coup, hop, on va mettre ça là. On va en retirer deux, hop. Ok, donc non, c'était bon. Fallait bien l'inverseur, c'était juste un problème. Hop, voilà. Mais non, pas voilà. Comment faire bugger son système? Non. Hop, voilà. Ok, donc, et normalement, quand on enlève, voilà. Et quand on remet. Non, pas comme ça. Quand on remet, ça ouvre. Ok, donc ça c'est bon, c'est réglé. Hop, on reprend de l'herbe. Voilà. Donc là, on va refaire un dernier truc. Là, faut que je ferme par contre. Ouais, là, faut que je ferme. Là, on peut pas y accéder. Bon, ça nous laisse quand même une bonne partie. Hop, voilà. Donc on va arriver à cette pièce là. Et ensuite, là je sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire ici. On va faire, allez, on va se faire une petite porte de sortie. Moi je sais pas trop. Je ne sais pas trop comment faire. J'ai envie de faire une grande porte en fait, genre qui va ouvrir tout d'un coup comme ça. Une très grande porte. Ou alors juste une porte de 3. Genre là. Hop. Comme ça. Ouais, je vais faire ça, tiens. Hop, hop. C'est vrai pour l'ouvrage, je pense.
On verra, on verra. On peut détruire. Non, je suis un petit peu profond là. Hein. Répéteur. Hop, restom. Ici c'est encore bouché du coup, tout simplement. Et là, on va faire partir notre système sur le côté, si c'est mieux. Hop, là encore bouché. Ok, donc ici c'est bon. On fait monter notre système de restom. Hop, ici on va faire la même chose de ce côté là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ici on fait continuer ça ici. On va faire descendre ça ici. Hop, voilà. Ensuite, donc normalement, fermé, allez bien sûr. Hop. Voilà. Non, c'est bon. Donc, après, c'est comment on va l'ouvrir. Donc, attendez, là, je suis un petit. Hop, est-ce que je fais ici? Ouais, ouais, je vais le faire. Voilà. Notre petite sortie. Pardon. Ici la terre on va transformer tout ça en pierre. Hop. Voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Donc je réfléchis à un petit système et je vous reprends tout de suite. Ok, donc c'est bon. Je vais juste faire un petit labyrinthe. Un petit peu plus compliqué ou qui va carrément en zigzag. Bon, je vais faire ça pour finir parce que ça manquait un petit peu quand même. Faut l'avouer. Voilà, on va faire un petit peu tout comme ça. Non, ici on peut pas. Hop. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai utilisé de la redstone strictement pour rien. Ouais, voilà, bon bref, c'est pas grave. Donc ici on peut agrandir notre territoire et on va pouvoir faire genre là une sortie qui est comme ça. Hop. Et plutôt comme ça. Hop. Non, je vais pas faire un petit passage ici parce que ils vont se rendre compte, il va passer directement ici. Ce serait pas drôle. Ici on peut faire voilà, un petit truc comme ça. Et ensuite. Hop, on va faire ça. Un truc de la fin là. Vous savez comme dans les files d'attente là. Hop. Hop. On va faire ça. Ouais, je dis tout le temps hop, je ne sais pas pourquoi. je fais vraiment pas exprès. Donc normalement sortie. Sauf que eh oui, j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié parce que j'ai pas encore fait le bouton. Donc déjà je vais faire mon inverseur, comme ça je serai tranquille. Hop, une redstone ici, un bloc. Faut encore que je prenne ça. Hop. Voilà. Donc non, c'est l'inverse. Qu'est-ce que je fais? C'est l'inverse. Ok, donc là, normalement, c'est fermé. Effectivement, c'est fermé. Ici, je... Ouais. Je vais le laisser. Et ici, je vais faire tout simplement un petit bouton. Faire un petit bouton ici. Bouton qui arrive normalement ici. Donc là on va fermer du coup. Normalement c'est bon, on va aller tester tout de suite.
Voilà. Donc notre labyrinthe est presque terminé. Je vous avais parlé d'un petit système de reset qui va se faire. J'espère. Et encore le reset de ce bouton-là à faire. Oups. Ok. Non, faire venir tout ça de là-bas. Non, faut compter 13. 1, 2, 3, on va en mettre une ici. Et le reset, je sais pas où on va le faire. Bah, si on le faisait tout simplement là-bas. Donc 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. On va mettre une ici. Hop, on va continuer. Hop, ici, il y a un petit trou. On va combler. Et on va le faire descendre ici. C'est un système de reset tout simple. Hein. Hop. Ça fonctionnerait. Oui, c'est bon. Hop. Donc, mais ce serait toujours ce sens-là. Pourquoi j'ai changé ça là-bas? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 8, 9, 10. 3, 4, on va en mettre un. Voilà. Ok, donc non, c'est fini pour le système de reset. Donc on va l'activer tous les boutons. Donc il y a un bouton ici. Ah, donc en fait ça c'est déjà fermé normalement. Voilà, donc ça en fait non c'est déjà fermé. Pourquoi ça marche pas? Ah oui. Ok, je comprends. Ok, donc ça non c'est déjà fermé. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça me fait ça? Je règle tout de suite le petit problème. Bah normalement ça doit prendre. Ok, donc je fais une petite coupure le temps de régler ce petit problème. Ok, donc j'ai fait une petite bêtise, je viens de comprendre. En fait, quand ça passe par ici, en fait, ça renvoie une impulsion de redstone. Donc voilà, j'ai compris ma petite bêtise. Donc en fait, on doit directement relier là-bas. Donc, ma petite bêtise. Donc ça, je peux laisser. Hop. Bah, j'ai fait une petite bêtise. Hop. Donc on va relier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va mettre le reste. 3, 4, 5. On pourra mettre là. On va l'écarter de. On a combien? Il y en a encore un. Un. Ok. Donc là, il y aura celui-là ici. Ouais, on va bien l'écarter. On doit tout relier un par un en fait. Tout simplement. Donc là on a relié notre premier. Ensuite. Hop, on peut. Okay. Donc il y en a une là. Ok, donc celle-là on peut la laisser ici. Ouais, on peut la laisser ici. Hop, voilà. Et la dernière qu'on va pouvoir relier.
Voilà, ah, c'est formidable. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. On va mettre à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour éviter que ça vous allume de la restante pour rien, on va le mettre ici. Parce qu'en fait, quand on va actionner du bouton là-bas, en fait, ça va allumer toutes vos restantes ici. Du coup, ça va vous l'allumer pour rien. Du coup, vous mettez un petit répéteur au bout. Et ensuite, la dernière. J'ai fait et celle-là j'ai pas faite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 11 12 j'en ai mis une là. Ok, donc maintenant c'est bon, le petit système de reset est prêt, on va tester. Donc normalement celui-là là-bas, voilà, donc on active. Par exemple celui-là, voilà. Ensuite on active celui-là, voilà, ça marche très bien. Ensuite il y en avait des autres à activer, c'était pourquoi, ouais. Ensuite il y avait, c'était pourquoi celui-là déjà. Ok, donc le bouton ici. Voilà, donc là c'était ouvert et là on ouvre. Ok, donc là c'est ouvert. Là c'est ouvert. Et là. Donc là c'est pour le code. Ok. Et normalement si on appuie sur notre système de reset. Voilà, vous avez vu que ça les a fermés. Donc ça a fermé celui-là, celui-là. Et non, ça a fermé. Bah voilà, c'est tout. Oui, il n'y en avait que. J'en ai loupé un, je crois. Peut-être celui-là j'ai loupé. Ouais. 1, 2. Et le troisième il est où? Oh là 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 là. J'ai perdu le troisième. 1, 2. Celui-là c'est pourquoi? Ah ouais, non, en fait c'était juste pour l'autre. Non, c'est bon. Donc, en fait c'est pour. Ouais, j'ai une touche qui fait ça, il faudra que je la règle. Donc en fait, parce qu'en fait, il y en a un pour lui en bas et un pour lui en haut. Et du coup, bah, il en faut deux. Du coup, ça fait 2, 3. Donc vous voyez que ça a tout refermé. Donc on sera obligé de les activer. Et du coup, là, c'est bouton de reset, on va marquer. Alors, est-ce qu'il y a un panneau quelque part? Oui, ici. Hop. Voilà. On va marquer. Hop. Reset. Tout simplement. Donc voilà, le petit labyrinthe il est fini. J'ai regardé la vidéo, elle a fait combien de temps? Ah, ouais, presque 1 heure. 59 minutes la vidéo. Donc j'espère que ce contenu vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et abonnez-vous. Bye!